Présent lors du lancement du baccalauréat général effectué par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, accompagné par son collègue de l'enseignement technique et toute la communauté éducative, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo, est allé concrétiser la volonté de son institution, dont l'objectif est la réussite des examens d'État sans fraude. Dans le cadre de la sensibilisation, on est passé dans les établissements scolaires, que ce soit général, tout comme technique. Nous avons eu à déployer sur toute l'étendue du territoire national nos banderoles. Nous avons donné à chaque délégué nos marinières pour bien faire passer notre message. Il y a eu les spots. Aujourd'hui, c'est donc les résultats de ce travail, parce que nous nous retrouvons au milieu de ce combat, de notre mission pour pouvoir avoir le produit crédible au niveau des examens. Emmanuel Olita Ondongo a appelé les candidats au bac à se concentrer sur leur examen en évitant tout acte de fraude. Aux candidats de commencer déjà à oublier Bébé Lily, ainsi de suite, ça doit être oublié. Et puis, qu'ils sachent aussi, nos enfants, qu'ils sachent qu'ils le font, c'est pas d'abord pour eux-mêmes, c'est pour la nation. Parce qu'il faut rendre crédible la nation. Pendant cet examen, les délégués de la HALC ont été déployés dans les différents centres d'examen de la République, a laissé entendre le président de cette institution.